Est-ce que quelqu'un a un briquet vraiment? On va mettre le feu au local, frère. Bon les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va... Je mets des gants parce que ça va être sale. Ça va être très très sale. Attends, faut que je mette le gant bien. C'est quoi, vous êtes une équipe de réparation SNCF ou quoi les gars? Ok, tu veux ouvrir la boîte? Oui. Mec, je peux toucher la pierre. Non, mais je fais quoi? Ah, tu veux ouvrir? Non, mais ça c'est le carton, frérot, c'est dans la boîte. Aujourd'hui, on va défoncer une petite tireway que j'ai commandée sur le site Nike. Donc pour ceux qui... Oh là là, l'adresse de Beerus, si jamais vous voulez les envoyer. Casse-toi putain, j'ai pas envie de faire de montage en plus. Tu sais ce que c'est de toute façon, je vous ai dit. En vrai, ils avaient déjà sorti le concept sur deux Air Force One avant. Et là, ils ont sorti sur deux nouveaux coloris. On te voit pas parce que la boîte est haute par rapport à toi. Sale bâtard, allez, dégage. Vas-y, il fallait qu'on fasse une vidéo drôle. Ça, frérot, on l'enlève parce que je connais, il y en a les zooms. Et je parle pas de zoom à l'école. Hein. En vrai, moi, j'ai pris le coloris. Oh, elle est dans la paire. J'ai pris... Vas-y, qu'est-ce que t'as ? J'ai pris le coloris pastel. Par contre, regarde, il y a vraiment ta paire qui dépasse. Allez. Oh, ok, elle est fraîche. Oh. Ils sont trompés. Mais non, pourquoi? Je voulais la François de blanche. Mais ça devait pourquoi pas être marron derrière. Non, t'as deux coloris, t'as des marrons et voilà, t'as des pastels. Mais en fait, le but c'est de déchirer pour que les couleurs elles apparaissent et tout, tu vois. Et c'est voilà. Mignon le petit rebord là. Allez, on passe pour le scalpel. En gros, t'es prêt? Attention, 1, 2, 3. Tu vois là ou pas? On va essayer de faire du multical. Ok. Ok, je vais enlever ça parce que ça va me casser les couilles. Et en vrai, du coup, le but. Non, excuse-moi déjà. Est-ce que tu vas tout enlever? Ouais, tout, j'enlève tout, frérot. Est-ce que t'as le aussi. Ah, tu vois une galoche du coup, c'est vrai. Eh, c'est satisfaisant, frérot, de bouillave une paire alors qu'elle est neuve. Ah, la matière, elle est. Ouais, c'est okay. on dirait un pansement un peu. Okay. Mais je me suis dit, peut-être en coupant. Je pense que tu vas juste torturer ta paire. Tu penses? Ouais. Je sais pas si c'est. Tu me le garderas pour le PQ. Non, du coup, tu veux enlever toutes les parties? Ouais, j'enlève tout. Pourquoi tu veux qu'on laisse? Ça cool. Alors, mais garde peut-être sur les côtés, le côté un peu papier déchiré. Ah ouais? Ouais. Moi, je voulais tout bouillir, frère. Je voulais tout bien enlever. Pourquoi t'as pas l'acheter la paire de jeunes? Bah ouais, ça sert à rien. Tu penses en laissant un peu comme ça, genre avec des petits traits bizarres? Ouais, toi, cool, tu la laisserais comme ça? Ouais, c'est cool, je trouve. Viens, on essaie de faire un pied, genre un peu comme ça, et l'autre, on le fait bien. Tu peux tirer la languette ici, frère. C'est pas grave, on va mettre en expo. Tu peux tirer la languette, là. Toi, tu veux tirer la languette? Non, toi. Tu peux le faire ou pas? Ouais, vas-y, frérot, fais-le. Tu veux filmer? Tu veux quelle languette? Ceci. Ok, let's go. Moi, je pense que je vais me réussir que toi. Je sais pas si vous voyez, c'est pas du papier, genre, c'est vraiment. C'est du. On dirait du. On dirait des pansements, frérot. Tu sais, des sparadraps un peu. On dirait une toile d'araignée. Ouais, c'est une paire de. C'est la paire momifiée. C'est là. Mais attends, mec, c'est trop drôle que tu vas passer ça. En vrai, est-ce que vous trouvez que le concept de paire comme ça, c'est cool ou pas? Bah. Genre, toi, ça te casse les couilles, tu préfères avoir la paire déjà faite et. Moi, je m'en fous. Eh, moi. Il est défoncé. Moi, si j'avais ce genre de paire, je la laisserais comme ça et je la recréerais et ça se déchirerait tout seul. Du coup, on peut percer la bulle d'air? Non, allez, casse-toi. Est-ce qu'on peut pour tout. Pour la miniature? Non. Est-ce qu'on peut tout bouillable aussi? Merci. Viens, on fait la miniature là en même temps. Ah, bon, on va pas voir avec la lumière, si. On voit que je déchire un peu ou pas? Allô, maman? Eh, regarde. Est-ce que c'est satisfaisant à faire? C'est chiant à faire. Parce que c'est vrai, j'avoue, c'est très chiant, frérot. Ça, c'est collé-collé. Mais en fait, je me dis, imagine, tu cut sans faire exprès tout ce qui est couture et tout. Je pense que c'est bien fait. Je m'attends à la connerie. Alors, les matériaux, ils ont l'air vachement résistants. C'est pas là d'être du cuir classique de la François. Non, tu coupes les lacets. Bah, je crois que c'est ce que j'ai fait. Ah, tu fais quoi là? Non, mais juste. Parce qu'on voyait même pas assez, ils sont tout orange et du coup ça fait le focus sur eux. Je crois que j'ai essayé de découper ça, frérot, mais il y a moyen que j'ai mis un grand coup de cutter dans le. Bah, c'est. Dans le cuir. Tu voudras que je fasse le montage en vrai? Si tu veux. Ça s'enlève ça? Non. Avance. Il y a 3 ou 4 matériaux. Là t'as du vinyle, ça me fait beaucoup penser à la Easter de 2018 que j'ai en ma possession. Parce que là du coup t'as un peu du cuir. Un peu genre un peu de vous on va dire, enfin du cuir, tu sais, un peu genre vraiment cuir. Mm-hmm. Là ça fait un peu genre du vinyle. C'est très poétique. Et en dessous je crois que c'est un peu genre d'un. Si je dis pas de bêtises, là c'est la partie violette. Ouais ouais. Ah, par contre, où est-ce qu'on va l'enlever? C'est un peu mal foutu quand même. Hein. T'avais une languette, je crois. Et là, paf, hyper fabuleux. Il y a moyen que la paire soit cutée. Ah, oh, tu vois là? Big bit. C'est du daim. Ah ouais, c'est. Et ça me fait beaucoup penser à la Easter. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, frérot? C'est stylé, mec. A savoir que j'ai eu une petite histoire aussi avec Size. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais fait les tirages au sort sur Size Lunch. Et en gros, j'ai été tiré au sort sur la Jordan 1 Shadow 2.0 et sur 2 Air Force One Tireway. Sauf que je savais pas que ça venait d'Angleterre, tu vois. Ouais. J'ai pas calculé, j'ai fait les tirages au sort parce qu'il y a des sites qui disent ouais, faut aller là et tout. Et du coup, bah, je me suis mangé 2 paires et dont une paire qui a eu un frais de douane. Donc j'ai refusé le colis. Mm-hmm. Donc j'ai remboursé sur les deux qui avaient deux. Pour le moment, il y en a qu'une qui est passée en dédouanement, tu vois. Il en reste encore 2. Je sais pas si je vais en avoir ou pas d'autres. Mais du coup, il y avait 30€ de plus à rajouter sur Size. Et du coup, des gens m'ont dit apparemment qu'on pouvait être remboursé, d'autres non. J'ai quand même envoyé un mail à Size, ils m'ont dit non, on s'en charge pas. Mais apparemment, fallait forcer. Donc dites-nous dans les commentaires en vrai si ça vous est déjà arrivé ou pas. En vrai, 35€, ça va. Hein. En vrai, ça va, mais c'est chiant, frérot. C'est chiant. Parce que là, t'as la conversion livre, tu te manges 5-6€ de frais bancaires en plus.
Parce que bah t'achètes ailleurs. Pas si t'es sur N26 et que tu utilises mon lien d'affiliation qui est dans la description. Ah ouais? Ouais. Ok. Bah on ira chez N26. Et là nous avons une livraison en direct les gars, c'est incroyable. Non tu veux faire le montage en vrai? Bah vas-y bro, je suis chaud. Alors du coup ce que je voulais savoir c'est est-ce que les deux pieds ont les mêmes couleurs au même endroit? Ouais. Ça par contre, putain, j'arrive pas, j'ai pas d'ongles, mon frère. Ça aurait été cool de. Je pense que peut-être que. Du coup, j'en ai une que j'ai retournée. Donc, une Air Force. Tu l'as mis en vert? Bah, tu l'as retournée. Tu m'enlèveras ça parce que c'est pas drôle. Non, non, je laisse. J'ai envie de voir la couleur qu'il y a là. C'est un dain rose. En vrai, vous pensez quoi de ces concepts-là du coup? En fait, c'est une paire un peu où t'es obligé de travailler. Enfin, de travailler dessus. T'es pas obligé. C'est un petit plus, ça fait comme une activité physique, je trouve. Bah, physique, non, mais. Non, mais ça. C'est une activité manuelle, quoi. Manuelle, voilà. C'est qui manuel? Regarde, c'est mignon là, ça fait de la fourrure, regardez. C'est une couleur de nous là. Oh, mais. Faudrait la brûler. Bah, en vrai, je suis chaud pour la brûler. Moi, je suis chaud content. Eh, à 5 likes, on la brûle. Est-ce que quelqu'un a briqué vraiment? On va mettre le feu au local, frère. Je te laisse faire ce que t'as envie de faire. Regarde. Eh, frérot, ça se trouve, j'ai bouillir la paire. Non, c'est du dain là, on va péter. Attends, c'est... Essaye sur celle-ci là où il y a plein de trucs là. Quand même. Non mais le mieux c'est de montrer sur un vrai truc. Sur un truc Oh ça marche trop bien. Ça brûle trop la paire. Ouais ça a l'air d'être du plastique qui fond quand... Bon faites attention, ne brûlez pas vos paires. Ça peut être l'air de faire un effet... Ah par contre non ça prend le feu. Bien mais descend. Analyse. Mais pas trop longtemps je pense. Avec moi, j'ai pas fond, ouais sur le dain ça va coller. Ouais donc. Mais c'est plus simple à enlever, ça durcit le papier frérot. C'est parfait. En fait le mieux c'est de la cramer frère. Eh ça donne un petit style en vrai. Hein. Mm-hmm. Mais ça brûle pas trop la matière hein. Mais faites attention chez vous quand même, parce que mettez pas le feu... Oh merde! Ça a pris feu. Vous voyez la trace de marron là? C'est pas du caca. La vidéo ça va être... Petit la vidéo, il a mis le feu à ma paire. Oh attends, j'ai une idée. Attends, j'ai une idée. Je suis désolé Tom. Si il met du premier coup là maintenant, on offre une paire de tiroirs en vidéo. Ok. En concours Insta, c'est parti frérot. On vous met un t-shirt EV en plus. C'est moi qui regarde. S'il le met pas par contre, je sais. Abonne-toi à la chaîne YouTube Birus Forever Vacation. Ah parce qu'aussi on a ouvert une chaîne Forever Vacation. Du coup on va mettre du contenu divers et varié et ça va être très très cool. Du coup les gars le résultat final donne ça. En vrai la paire elle est assez cool. Faut juste être patient parce que c'est très très long. Faire attention. Essayez pas de brûler la paire. Ça peut aller plus vite mais faites vraiment très très attention. Le mieux c'est de prendre un ciseau ou un petit scalpel. Au niveau des lacets, faut juste enlever les lacets, ce sera un petit peu plus simple. Moi je kiffe la paire, on va vous faire des petits plans plus près, un on fit. Je vous remercie les gars d'avoir regardé cette vidéo qui était incroyablement cool à faire en vrai avec tout le monde. Tu mettras le lien pour la fiche, il en reste ou pas? Ouais il en reste, je vous mettrai des liens bien sûr dans la description si vous voulez cop votre paire. Du coup les gars, lâchez votre commentaire, mettez un maximum de likes, abonnez-vous. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Des choses folles arrivent bien sûr comme toutes les semaines. Paf. Putain.